C'est pas notre but. Après, nous, on ne veut pas tuer dans le Schengen. Ouais, on fait ça pour aider nos parents. Je suis arrivé à Forêt parce que je voulais entrer en Néo. C'est pour ça que nous sommes ici au Maroc. Ça fait 2 ans que je suis ici en Forêt. J'ai perdu le numéro de mes parents. Je ne communique avec personne. Je suis un styliste. Je suis un styliste modéliste. Je comptais venir ici au Maroc pour travailler, mais quand je suis arrivé ici, là, il n'y a pas de travail. Bon, j'ai décidé maintenant de traverser pour entrer en Espagne. Si Dieu peut me donner la chance de travailler. Ça fait déjà 2 ans que je suis ici. Vous-même, vous voyez, tout le monde a les blessures. Bon, c'est la police militaire qui nous fait ça. Et aussi la Guardia. Parce que j'ai aussi mon frère que la Guardia lui a tapé. C'était devant moi. Et bon, je ne sais pas pourquoi on entre, on nous fait sortir. Et ici, on nous gêne. Et je ne sais pas pourquoi. Ça fait pratiquement 2 ans quoi, que je suis ici en Forêt. Non, moi je suis venu au Maroc pour aller à l'Europe, pas pour travailler. En Forêt, ça ferait 9 mois. On entre là-bas déjà, c'est on appelle ça l'enfer. Depuis qu'on dit qu'on est entré sur l'enfer. Tu vois, ici c'est l'apocalypse. La bande, c'est. Vous savez, pour traverser la barrière, aller de l'autre côté, on fait des attaques quoi. On essaie de traverser la barrière en douceur et tout bon. De l'autre côté là-bas, il y a une force auxiliaire du côté marocain. De l'autre côté de la barrière, il y a une force civile, c'est un corps civil espagnol, la Guardia civile, qui est de l'autre côté. Donc, je crois, lundi matin. On est parti, on était quelques, on est parti, on a traversé. Bon, on était de l'autre côté même de l'Espagne, quoi. On nous a tous pris de là-bas, on nous a rejetés du côté du Maroc. Mais avant de nous mettre dehors, parce que c'est la Guardia espagnole qui nous occupait, ils nous ont d'abord massacré. Avant maintenant de venir nous jeter du côté marocain. Là-bas c'était, je ne sais pas, là-bas c'était le vrai massacre. Alors. Et moi ça fait 2 fois que j'entre, on me fait sortir. Et les militaires cherchent toujours à nous frapper, toujours. Et depuis que nous sommes ici en Forêt, on ne sort pas pour aller chercher à manger. Il y a les militaires partout, nous sommes seulement ici en Forêt. Bon, on ne sait pas pourquoi on nous bloque ici et si on entre aussi, la Guardia nous fait sortir et les militaires essayent de frapper sur nous. On nous a bien tapé, même la tête, tu vois, comment on a massacré. C'était avec des fers, des gros fers, des serres jointes, des gros, des marteaux, tout un chacun avait son arme quoi. C'était comme, il y a même deux qui ont des balles de baseball, bon, ils avaient des gourdins, toutes ces choses-là quoi. Il y a même deux qui prenaient des pierres, ils ne frappaient pas avec des pierres. Je suis allé vers le grillage pour pouvoir entrer en Espagne. Lors d'une attaque massive. Bon, moi, je suis arrivé à la troisième barrière. Je
ce qui était un troisième barrière, je suis tombé. La Guardia m'a pris, ils m'ont remis aux militaires marocains. Ils ont commencé à nous frapper avec du fer. Le fer, les 16 juin. Et les gros goudins, frappés partout à la tête. Frappés aussi la cheville où j'avais mal. On a organisé une attaque qui se passe. Récemment, ça fait pas une semaine. Moi, j'ai participé, mais j'ai pas eu de chance. Mais parce que le clan était divisé. Moi, pourquoi j'ai pas participé? Parce que la majorité qu'ils ont pénétré, c'était les anciens. Bon, je suis l'une des anciens qui reste dans ce couloir. Vous voyez, aujourd'hui, on n'atteint pas 5. Vous voyez, c'est vide. On était au nombre plus de 105, mais tous étaient entrés parce que c'était une attaque qui s'est passée aux environs de 5 mois du matin. On a frappé, après la prière, tout était dedans. Mais ce qui était avant la barrière, c'était au nombre de peut-être 15, parce que toute la masse était dedans. Mais la Guardia a remis, c'est beaucoup de nombre de personnes qui vont réellement à 35 personnes. Toutes les nationalités, les Gabonais, les Camerounais, les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Tchadiens, les Sénégalais, nous tous. Les Marocains nous torturent, franchement, ils nous torturent. On était carrément à Milil, il est arrivé même au camp. Puisque moi, on m'a pris devant le camp. On m'a pris devant le camp. J'ai vu les blagues dans le camp. Et les gars que j'étais avec eux, on les a laissés passer, moi, on m'a bloqué. On m'a remis dehors, bon. C'était lundi matin. Quand on m'a pris, on m'a mis dehors. Je sortais pour aller à la police, pour donner mon taquet, pour qu'on me prenne pour le voyage. Et j'ai eu le laisser passer, on m'a pris. Ça fait trois mois. Oui, je les ai dit qu'ils étaient dedans, ils m'ont mis dehors. Je suis parti là-bas avec ça. Ils ne voulaient même pas voir. Le temps de sortir pour vouloir lui présenter, il veut seulement arracher pour déchirer. Oui, et aussi, quand on entre, la voie à mettre les gens dehors. Et nous, on voulait aussi qu'entrer, c'est entrer. Parce que pour entrer là-bas, c'est pas facile pour grimper. On risque nos vies. La Guardia m'a d'abord bien bastonné avant de me remettre aux militaires. Et les militaires aussi m'ont touché, ils m'ont bien tapé. Cette blessure, j'ai eu là-bas, j'ai eu à la frontière. Cette blessure l'année passée. Oui, j'ai eu ça là-bas l'année passée. Chef militaire, c'est eux qui donnaient l'ordre de nous frapper. Les forces auxiliaires. Donnaient l'ordre de nous frapper avec du fer. Qu'ils les frappaient sous la partout, casser le tibia, casser la tête. Parce que tout ça s'est passé. J'ai observé bien la scène. Parce que j'étais caché dans des champs des olives. Si vous pouvez faire quelque chose rapidement parce que ça va jouer. Vous-même, vous voyez la haine du monde. Les grandes nations sont là, ils regardent la couleur blanche en train de périr. Nos frères meurent chaque jour qui passe. Le Maroc garde le silence, l'Europe garde le silence, l'Espagne garde le silence. Chaque jour qui passe, on tue nos frères. Chaque jour qui passe, on tue nos frères. Il est inadmissible que l'Espagne sait qu'il y a les blacks qui sont dans la forêt, qui sont dans la détresse. Mais il n'y a personne qui fait un signe. Les journalistes viennent ici, prennent les photos comme vous prenez les photos, mais rien. Ça n'aboutit à rien. Mais Dieu est là. Moi, je veux juste qu'on nous aide. On nous aide parce qu'on souffre vraiment. Nous sommes en forêt et on n'arrive pas à descendre pour manger. Ici, là, en forêt, on vit comment ici, on vit en famille, c'est-à-dire le clan, on se concerte parfois pour pouvoir trouver, pour se dire, pour pouvoir échapper à ce terrain. Non, pour se laver, on descend souvent parfois à la source, qui est loin juste derrière là. Il me paraît très difficile pour pouvoir vivre ici, parce que vous voyez comment la condition de vie ne nous permet pas de rester en forêt. Nous pouvons pouvoir entrer à Amélie là. Inch'Allah, si tu le veux. Nous, on veut partir. Il doit nous laisser entrer, c'est entrer. Oui, entrer, c'est entrer. Il n'y a pas entrer, taper. Si on entre, si on nous met dehors, on nous amène à Oujda.
nous amène à Oujda. On ne doit pas nous égorger comme les moutons. La Guadja pourrait nous arrêter. Et peut-être pour nous refouler dans notre pays. Que de nous prendre à l'intérieur et de nous mettre à l'extérieur chez les Marocains et nous tuer. Nous, on préfère, donc, sur les plus sûrs et sujections, que si nous entrons, que nous, on nous arrête, on nous accapare et on nous amène dans les directions. On dit que vous êtes où? On te met, on te rapatrie dans ton propre pays. Que de nous prendre, de nous mettre encore chez les Marocains. Et les militaires nous gênent, on nous tape toujours. Si on peut cesser de nous massacrer comme les bandits, parce que nous sommes les humains, il faut que nous sommes les humains, nous tous, il faut que l'Union européenne essaye de gérer avec le gouvernement d'ici, les militaires, pour voir comment ça va se passer. Parce que nous, notre problème, c'est traverser. C'est traverser pour entrer en Europe. Même si aujourd'hui, on essaye de nous tuer, puisque la dernière fois, on a tué 2 personnes. Par le fait qu'on souffre, on entre là-bas, on nous fait sortir encore, on nous donne encore aux militaires marocains et nous massacre. Wallahi. On peut attraper quelqu'un, l'envoyer à Oujda, il n'y a pas de problème. Mais on prend un caillou, on tape sur la tête. Lui, là, il est mort comme ça, là, c'est sa famille. S'il veut nous arrêter, il peut forcément nous arrêter, pas nous fouiller, pas nous dépouiller, pas nous enlever les téléphones sur nous, notre argent, pas nous tuer. On ne refuse pas qu'ils font leur travail, mais ils peuvent nous arrêter. Quand on les a demandé de nous arrêter, nous revenons au refoulement. Là, tu prends ses papiers, tu refuses de lui donner. Sans le passeport, là, un voyageur ne peut pas voyager. Oui. Quand on dit un voyageur, c'est le passeport. C'est le passeport qui te permet d'aller partout où tu veux. Tu arrêtes. Il a pris son passeport ici. Je ne suis pas le seul, on est beaucoup comme ça. Prends ton passeport, on refuse de donner ton passeport. Ça fait 2 ans que je n'en fais pas ma famille parce qu'ils ont tout pris. Je n'appelle pas ma famille, ça fait 2 ans. Ils l'ont pris mon téléphone, tous mes cartes, mon passeport, tout ils l'ont pris. Oui, l'argent, tout, ils l'ont pris. Quand nous sommes ici en forêt, sans soutien. On souffre franchement. Et que les Marocains nous torturent. Télé à venir, frapper, déranger, c'est fini. Comme ça aussi, ils doivent trouver une solution pour nous empêcher, mais pas pour nous frapper jusqu'à mort. Que quand quelqu'un traverse derrière la barrière, entrer c'est entrer, on ne doit pas lui mettre du haut. Et on ne doit pas taper sur les êtres humains comme les animaux, ce n'est pas normal. On les a tapés juste à moi, même Dieu, pitié d'eux à ma place. Ça me fait mal. Franchement, il faut vraiment qu'ils nous aident pour se dire ça. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux. Tout le monde entre, tu entres. Tu entres avec la force, tu traverses, trois barrières, avec toutes les blessures que tu as. Il y a même les gens qui tombent, ils s'évanouissent, mais on les porte avec la maladie qu'il a, on les met dehors toujours. C'est comme ça vraiment. Si l'Union européenne peut faire quelque chose pour nous, parce qu'à l'hôpital, on a trouvé un pasteur avec une sœur. Elle nous a fait comprendre, elle nous a demandé si vraiment c'est la Guadja qui nous tape. Et si vraiment on entre, on nous fait sortir. On lui a dit oui, on entre, on nous fait sortir. Moi-même, je suis entré, on nous fait sortir. Les gars, alors venons pour le dimanche, on commence à descendre, venir appeler l'ambulance. Il dit qu'on appelle la voiture lui-même, ça ne va pas. Mais venez, non, les gars, il faut réagir. Ne bouge pas, ne bouge pas.
clandestin, on doit l'arrêter, on ne doit pas le battre. Il n'a pas volé, il n'a pas fait la fausse, on ne vole pas. Notre boulot, c'est seulement pour aller chercher notre vie. Oui, il faut que tout ça finisse. C'est tout ce que moi je vous demande, qu'on puisse nous aider. Entrer, c'est entrer. Si entre, on ne peut pas te faire sortir. Nous tous, on a une famille ici. C'est nous, on fait tout pour notre famille. Si la personne meurt, quoi, toute sa famille a perdu. Il a un enfant, il a sa femme, il a beaucoup de problèmes. Voilà, il faut que vous essayez de voir ça, sinon ici là, arrêtez.